Hello everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur l'album de K-pop de Brown Eyed Girls qui s'appelle Revive, qui est leur dernier album actuellement sorti. Le groupe est encore en actualité, même si c'est assez rare. C'est un groupe de la deuxième génération K-pop qui était connue avec la chanson Abracadabra, avec Sixth Sense. Donc là, c'est l'album que. Voilà, c'est celui-ci. On peut voir, c'est comme ceci. Donc on l'ouvre, on a le CD qui est assez basique, vraiment basique de chez basique. Et après on a le livre qui fait office de photoshoot. Shoot et niveau carte, on retrouve ces deux-là. Donc comme vous pouvez voir. Ok. Et hop. Donc l'album, il reste assez. Le format de l'album, il est vraiment bien dans le système du packaging. Donc, vous pouvez voir tous les membres. C'est un groupe de 4 filles. Hein. Brunette Girl est un groupe que je suis depuis quelques temps et que j'apprécie énormément leurs chansons. Comme vous pouvez voir dans mon top K-pop, j'ai quelques chansons d'elles que j'adore beaucoup. Alors, à la base, j'ai essayé de trouver l'album Wave, là où il y a Light et Brave New World, mais je l'ai pas trouvé, donc ce qui fait que je me suis comme je voulais absolument un album d'elle, je me suis laissé tenter par celui-ci. Donc au moins j'ai au moins un album de Brunette Girl. Normalement dans mon top K-pop vous retrouverez les chansons de Sign, Lights, et je crois que c'est il y en a une troisième normalement. Je crois que c'est Wave ou un truc du genre. Ils ont aussi Sixth Sense, Kill Bill qui est pas mal, Sign, Abracadabra, Gain, une des membres du groupe, a des chansons extraordinaires qui sont aussi dans mon top comme Irremplaçable ou Paradise Lost. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au groupe, même si c'est un groupe de deuxième génération qui est beaucoup moins connu que les groupes actuellement de troisième, quatrième génération qui sont vachement cotés. N'hésitez quand même pas à aller jeter un coup d'œil à ce groupe-là, qui est vraiment fabuleux. Donc n'hésitez pas à vraiment checker leurs chansons, à me dire si vous connaissez le groupe, si vous écoutez les chansons du groupe, ce que vous en pensez d'elles. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Bye bye!